Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très bien. Je fais cette vidéo aujourd'hui. Vous connaissez, moi, je fais toutes les choses éducatives dans mes contenus. Et j'estime que s'il y a 300 000 personnes qui me suivent aujourd'hui, ça veut dire que ce que je fais est bien. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est de savoir, quand vous venez sur les réseaux sociaux, il faut savoir ce que vous venez chercher sur les réseaux sociaux. Sinon, vous allez vous tromper. Les réseaux sociaux mentent très mal. Tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, là, non, c'est le mensonge. Parce que vous ne connaissez même pas la moitié de la vie des créateurs de contenu. C'est un créateur de contenu ici dehors. Moi-même, c'est moi qui décide ce que je vais vous montrer. Donc, je peux décider de vous montrer ce qui n'est pas vrai. Vous voyez les choses de l'amitié qui se passent sur les réseaux sociaux là. Moi, je considère ça comme un buzz. Pourquoi? Parce que quand je les écoute, j'écoute les dames là parler. J'estime que ce sont des grandes, ce sont des dames, les femmes mariées. Elles ont des partenaires, elles ont des gens qui les suivent, elles ont des mamans qui les suivent. Et du coup, pour moi, être sur les réseaux sociaux, c'est d'apporter un bon exemple. C'est de montrer que même si nous ne sommes pas parfaits, mais on doit montrer aux gens qui nous suivent que non, voilà ce qu'il faut faire dans la vie. Même si nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas parfaits, même si ce n'est pas ce que nous on fait. Parce que je ne comprends pas comment deux mamans matures peuvent venir sur les réseaux sociaux, montrer les conversations de depuis 2021. Ça veut dire que chacun était là par intérêt. Mais, laissez-moi vous dire que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est le mensonge. C'est qu'elles font là, c'est juste pour. Je ne prononce pas le nom de personne. Vous allez vous reconnaître les dames là. Je ne prononce pas le nom de quelqu'un ici. La personne qui a compris, a compris. Vous allez comprendre que ce qu'elles font là, c'est juste pour attirer la visibilité. Parce qu'elles ont compris. Pour pouvoir vous impacter, pour pouvoir attirer votre attention, il faut parler du négatif des gens. C'est parce que vous montrez que c'est ce que vous aimez. Pourtant, ce n'est pas bien. Quand tu détruis quelqu'un, même si la personne a eu tort, la meilleure manière de fermer la bouche de la personne, c'est de se taire. Quand tu fais comme ça, on te respecte. Moi, c'est le conseil que je vais vous donner. Que même si c'est un côté était vrai, il y a l'autre côté qui ne devait pas sortir. Bah, quand c'est comme ça, on te respecte. Moi, particulièrement, ce sont les dames que je regardais, que je suivais sur les réseaux sociaux. Je ne les suis plus. Moi, je ne les suis plus parce que j'ai compris qu'elles sont peu adhérentes. Elles ne montrent pas le bon exemple. Une comme moi, j'estime, moi, je suis une de faire partie de leur communauté. Je vois comme ça. J'ai aussi un problème, mon ami. Je viens étaler sur les réseaux sociaux. Ça serait comment? Est-ce que ça serait bien? Ça serait pas bien. Je ne pense pas que vous-même, vous pouvez apprécier ça de moi, que je viens montrer les choses comme ça sur les réseaux sociaux. J'ai pris un exemple. Il y a un enfant qui me suit. Pour ceux qui ont vu la vidéo, est-ce que son papa m'avait fait le cadeau des green lights? Vous vous rappelez, non? Imaginez un peu si je me comportais comme ça. La petite, là, allait voir que. Non, maman Sabine avait montré que si tu as un problème avec ta mère, non, va l'insulter sur les réseaux sociaux. Si tu as un problème avec ton père, non, va la terre sur les réseaux sociaux. Si tu as fait comme ça, les réseaux sociaux que vous voilà, moi je peux conseiller quelqu'un aujourd'hui de venir sur les réseaux sociaux. Il faut juste que tu sois intelligent et sage. Et tu connais fait ta communication et ton marketing. Tu peux te faire de l'argent sur les réseaux sociaux. Moi je peux conseiller à quelqu'un de rester dans sa chambre et de venir sur les réseaux sociaux. Mais je ne peux pas conseiller à quelqu'un de suivre n'importe qui sur les réseaux sociaux. Quand vous venez sur les réseaux sociaux, il faut savoir qui observer, qui regarder, qui vous cultive, qui vous motive, qui peut vous. Quand vous voyez là quelque chose qui n'est pas dans votre ligne éditoriale, ne suivez plus la personne. Laissez le Congo ça que vous allez partir au quartier raconter là. Ça ne va pas vous aider en rien. Vraiment, quand j'ai écouté les dames là, j'ai compris que ça c'était un buzz organisé. Parce que pour moi, je ne conçois pas ça. Je ne conçois pas que tu sois ton ami, tu relèves les conversations depuis 2021. Du Congo, ça que vous avez fait ensemble, je risque d'éclater les dents. Moi, je ne conçois pas ça. Donc, faites vraiment très attention quand vous venez sur les réseaux sociaux, les amis. Vous allez nous critiquer, vous allez toujours nous insulter, nous qui vous montrons comment, nous qui vous montrons notre vraie vie, ce que nous on vit. Vous allez nous critiquer. Pourtant, c'est nous que vous deviez suivre. Parce qu'on vous montre notre évolution petit petit. Moi, j'ai beaucoup évolué. Surtout dans les créateurs dans la création des contenus, j'ai beaucoup évolué. Moi, j'ai les gens que je suis sur les réseaux sociaux. J'ai les gens que j'ai mis tellement sur les réseaux sociaux. Mais les gens de ma génération, quoi. Il y a Doudou 237.
C'est une grande soeur que j'apprécie beaucoup. Il y a Mamouchka. Il y a la femme de William. Maman Soleil. Elle a l'oeil. Elle a l'oeil. Maman Soleil. Elle a l'oeil. J'aime trop cette dame parce que elle nous montre ce qu'elle vit. Elle nous montre son évolution. Elle nous montre comment elle est en train de construire sa maison. Elle nous montre comment elle a fait son restaurant. Elle nous montre son quotidien. Elle nous montre comment elle a fait ses Letty Cube. Elle nous montre. Ça, c'est une dame que j'aime tellement. J'aime tellement. Elle m'impacte avec quelque chose. Personne n'est parfait. Mais il y a quelque chose à cette dame. Les trois dames que j'ai citées là, ce sont les dames que je suis sur les réseaux sociaux que j'apprécie. Mais celle que j'apprécie le plus, c'est Madame William, c'est William Sungo, si je ne me trompe pas. Laetitia, celle qui fait Laetitia Cube là, vous connaissez, non? Ce sont les dames que vous devez suivre. Elles montrent le bon exemple. Je ne me rappelle pas des autres, mais ce sont les gens que je suis facilement. Et maintenant, quand je veux me déstresser pour rire, je viens regarder les Tik Deng. Je vais regarder les Nekros. J'ai aussi les créateurs de contenu qui sont à l'extérieur. Les Bovan, les Axel Méric. Mais ceux-là, c'est plus TikTok. Je parle, je les regarde. Ça me fait rire. Après, je me déconnecte. J'ai mon contenu à créer, je crée. Je ne vais pas me coucher chez moi. Je n'ai pas besoin de vous détruire. Je n'ai pas besoin d'insulter quelqu'un pour que vous me suivez. Je suis fier aujourd'hui parce que 300 000 personnes ne me suivent pas pour ce que je suis. Pas parce que j'ai détruit quelqu'un sur les réseaux sociaux. Pas parce que j'ai insulté quelqu'un. Je suis contente. C'est ce que je voulais vous dire. Apprenez vraiment à faire la part des choses. Arrêtez la jalousie. Vous allez voir. Même si quelqu'un t'a fait quoi, tu fermes ta bouche. Tu laisses. La personne aurait honte seule. La personne aurait honte seule. Tu n'as pas besoin de venir répondre. Quelqu'un te tape. Mais il y a les, on sait qu'il y a les choses. On ne sont pas parfaits. Il y a les choses que tu rends d'abord en disant que ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Mais l'histoire d'amitié que je vous voyais sur les réseaux sociaux des dames là. Parce qu'elles sont tellement matures, ce sont les femmes mariées, ce sont les mères d'enfants. Je ne pense pas qu'elles aimeraient qu'on voie, que les partenaires voient ça. Donc, j'estime que c'est un truc organisé. À chacun, si vous avez compris, vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, tant mieux. J'ai exprimé comme je pouvais m'exprimer, maman. Je sais que vous allez insulter mon français, mais j'ai dit ce que je pouvais dire. Vous passez. Bye bye.